tous les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Cette vidéo est un peu spéciale, alors d'abord je vais partir en PVP dans un duel normal, un no debuff je pense. Classique, alors il y a quoi? Iron Sword. D'abord on va faire du classique, alors sachez juste une chose, j'ai changé de souris les amis, pour ce fight. J'espère que je vais réussir parce que clairement... J'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude de ma souris Razer. J'ai l'habitude de mon autre souris, qui est ma Logitech. Donc, ça promet. Ah oui, d'accord. Quand je vous dis que ça promet, c'est que ça promet vraiment. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. C'est chaud. Donc voilà les amis, on va faire ça, on va essayer de faire un pas de fight. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez de mon niveau en PVP, si j'ai beaucoup... si j'ai perdu mon niveau, hein, tout simplement. Je pense avoir perdu un peu de mon niveau. On va se relancer à duel classique. Mais je pense clairement avoir perdu un peu de mon niveau. Je suis plus si bon qu'avant sur Minecraft, surtout en fight. Et si je veux m'y remettre, va falloir que je joue PVP beaucoup. Et sur des vrais serveurs un peu 8. Et pas sur un serveur anglophone, parce que sur le serveur anglophone, bah ça lag. Vous voyez comment ça lag? Ah ouah, Hypixel. Attends, c'est moi qui lag? Ou c'est lui? Ah oui, d'accord. On se lance une nouvelle game les amis. Et puis après on partira peut-être sur d'autres jeux. On va pas faire ça toute la vidéo là, c'est juste uniquement pour lancer un petit peu plus loin la vidéo, bon c'est pas grave. Bon du coup alors, le but était de vous parler aussi d'un petit truc qui va arriver sur la chaîne normalement. Si tout se passe bien, ce sera des Fallen Kingdoms qui devraient arriver sur la chaîne très prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah écoutez voilà, le thème sera normalement sur du vieux FK. Le plugin est entièrement fait par moi. La map elle est censée être finie. Bon j'ai failli gagner. La map elle est censée être finie mais je pense que je vais tout simplement prendre une autre map qui était déjà prête, une de mes vieilles maps que j'avais créées. Ou alors peut-être une map qui est dans mon téléchargement, je sais pas encore. Mais on va faire un FK normalement avec des joueurs que j'aurais recruté évidemment pour ça. J'espère juste que l'un des joueurs que je voulais qu'il participe récupère son PC avant que le FK commence, parce que sa carte mère en fait est décédée et il ne peut tout simplement plus jouer à son PC à l'heure actuelle, ce qui est pas top. Donc bah écoutez, c'est dommage pour lui, mais bon, on peut pas faire grand chose. Donc espérons qu'il récupère un PC, sinon il faudra que je lui en prenne un temporairement, parce que pour le FK ça va pas être top. Sinon bah je suis toujours enrhumé, hein, ça va pas changer ça. Qu'est-ce qu'il fout lui là? What? C'est quoi ton anti-gabé toi? LOL l'anti-gabé. Y'a de cette cheater quand même sur ce serveur. Bon et sinon du coup ces failles sont censées juste pour vous mettre au courant que déjà normalement il y aura un petit peu plus de montage dans cette vidéo normalement. Mais, alors déjà, demande d'amis refusée déjà. Hein. Déjà. Mais aussi, c'est pour vous annoncer que je vous fais gagner un petit jeu Steam. Il y a un petit jeu Steam à gagner en effet sur la vidéo. Donc, pour participer, c'est très simple. Il faut juste commenter la vidéo en me disant ce que vous avez aimé dans la vidéo ou pas. Voilà, vraiment, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être abonné à la chaîne, tout le monde peut gagner. C'est à la portée de tout le monde. Et puis voilà, hein, les amis, très clairement, il n'y a pas de chose trop complexe pour participer normalement. Allez, tout va être buté. Et là-bas, non. Allez, on se fait une petite dernière et après on part sur du vrai mode de jeu. King of the Hill, je vais faire juste après. Ouais, je me remets dans tout ce qui est mini-jeu et autres sur des serveurs comme sur Funcraft.
Ouais, il tape de loin. Le problème, c'est les lags, hein. Clairement. Ça peut être ultra gênant. Ah putain, j'ai failli le battre. Ah non, je peux pas, j'ai failli le battre. Faut que j'en fasse une. Je suis en train de m'y remettre tranquillement au fight, mais c'est un peu compliqué. Tellement de temps que j'ai pas fait du fight dans Minecraft avec en plus cette souris là. Mais elle est mieux, elle est meilleure pour faire du fight dans Minecraft. Donc j'utilise une de Razer Detonator Chroma. Vu que j'ai des gros doigts, bah c'est pas très pratique pour jouer avec une Logitech Prodigy Gamers. Donc je lui rends ma Razer pour faire du fight aussi sérieux que là. Bah tu crames, tu fais pas chier. Ah putain, il m'a eu. Je veux gagner un deuxième fight. Je suis désolé. Je sais pas s'il y aura plus de montage, on verra bien. Allez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement le rythme de la chaîne a quand même bien monté. J'arrive enfin à faire des vidéos régulièrement. Bon, on est en vacances, donc c'est pas vraiment étonnant. Il y a qu'en vacances que j'arrive à faire ça. Mais c'est déjà mieux que rien. Je peux enfin vous faire un vrai rythme de vidéo à l'heure actuelle où il y a bien tous les jours une vidéo qui sort. Correctement. Il y a une journée où c'est Dragon Quest, une journée où c'est Arthur. Et ça alterne correctement. D'ailleurs, la vidéo sur Dragon Quest sortira aujourd'hui. Évidemment, nous sommes samedi, hein, donc c'est Dragon Quest aujourd'hui. Je compte aussi le week-end en fait dans les vidéos. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est-à-dire que même si on a un dimanche, je vous ferai par exemple la vidéo sur Arthur. Parce que demain, oui, c'est Arthur et Minimoise, évidemment. C'est logique. Puis lundi, ce sera Dragon Quest. Tous les deux jours, de toute façon. Bon. J'essaie de m'y remettre, mais c'est chaud. Yes! Allez, je m'en fous. On s'arrête là. Non, je veux quitter la partie. Stash up. Je veux venir au lobby, moi. Voilà, merci. Non! Oh, trop tard. On va revenir au lobby après. Une dernière game. Allez. Ah, d'accord. Là, j'ai vraiment juste 100% sérieusement. Je vais essayer en tout cas. Ton feu là il me fera rien. Je t'ai raté, très bien. Je crame. En même temps il n'y a pas d'eau. Oula. D'accord. Oui, il a écrit ah. Bon allez, on est parti pour du King of the Hill. Alors le King of the Hill c'est où déjà? King of the Wool et King of the Hill c'est là, ok, donc c'est dans les jeux en prototype encore. Je pensais qu'il était sorti King of the Hill. Max Hype c'est The Pit, King of the Hill c'est celui-là. Et on va partir en team de 6 contre 6, voilà. Il y a personne j'ai l'impression sur le mode de jeu. Si c'est bon, ça monte. Je l'aurais pas lancé. Le problème, c'est que sur Epic, il y a de moins en moins de joueurs. C'est quand même plutôt spécial. Hein. Mais il y a vraiment de moins en moins de joueurs, je trouve. Hein? Ça, je préfère l'activer. Ok, ça monte. Il faut être pile 12 pour que ça se lance, putain. Par contre, ça aurait été bien si c'était comme sur d'autres serveurs. Que ça se déclenche et qu'on soit obligé d'être 12 pour jouer, quoi. C'est que les déconnexions qu'il y a, ça peut durer longtemps en vrai. Allez, plus qu'une personne. Non mais il va arrêter m'envoyer des demandes d'amis là, lui qui nie, je connais pas donc... Faudrait que je bloque mes demandes d'amis. Bon allez, du coup, du King of the Hill. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Alors ça fait ouais, tellement longtemps que je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, toujours avec les bugs de texture de mon shaders. Hop là, on va aller là-bas.
Ok, on l'a éliminé. On fait juste un petit mur de défense. À l'aide. Il m'a buté. Ok, on va juste aller dans le shop, améliorer l'épée tout de suite. Et prendre un wall. Allez, on y retourne. Donc le but, évidemment, vous le savez, vous aurez compris, c'est de capturer la zone du milieu pour ceux qui ont oublié les règles du King of the Hill. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait ça comme ça, mais c'est pas grave. Ok, il tombe. Aïe, cette explosion. Là-bas, c'est parti. C'est les bleus qui ont la zone. Ah putain, je me suis encore fait avoir. Il va falloir que j'améliore encore mon arme. Hop là, Enderpearl. Dès que je peux, j'améliore mon arme. On va aller capturer la zone là-bas. Pareil. En fait, ils ont les zones alt externes. Il y a les zones externes à la zone normale qui permettent d'améliorer vos compétences. Comme c'est le cas avec cette zone-là. Ah la vache. Ils sont deux. Ok, voilà. Athée. J'ai fait tourner en bourrique en fait. Hop là. Comme ça maintenant voilà, je peux reprendre l'avantage et retourner là-bas. Yes, il est tout seul. Bon, c'était sûr que t'allais venir. Ah, allez, il m'a eu. On va améliorer nos composants. Ils ont repris la résistance Alta, donc ils sont plus résistants. On reprend la zone. Allez, vas-y. C'est bien. Ok, c'est bien. On reprend la zone du milieu. Ah! Foiré. Vas-y, occupe-toi de lui. Ah, ils sont deux. Aïe, ça fait très mal ça par contre. Hop là. Oh non, ils l'ont encore recapturé. Non mais ils sont chiants. Ah puis aussi ils sont super résistants maintenant du coup. Il va falloir qu'on joue stratégique les gars. Donc on va prendre ça, on va prendre ça et on va prendre une potion de speed. Histoire d'être plus rapide et de résister un petit peu à leur à-coup. Tout d'abord on va jouer stratégique. La zone est là-bas, donc on va stratégiquement y placer lui. Hop là. Ok. J'avais de la boost mais malheureusement. Enfin du boost mais malheureusement cela n'a pas suffi. C'était point grave. On va aller là-bas, on va reprendre la zone de la résistance. On en a clairement besoin. En plus j'ai eu un petit bonus là. Ok, ça se défendra comme on peut. Voilà. On a défendu qu'on peut. Pour l'instant on n'est pas en train de gagner. On est clairement en désavantage face aux ennemis. Ils ont repris la zone. Ah, on est clairement pas en avantage. Ça va être chaud. Cette game va être très chaud. Clairement, je pense que la meilleure solution, ça restera toujours le jump boost dans ce jeu. Je l'ai toujours pensé. Allez, on y retourne. Ils ont repris la source Altar. Ah mince. Est-ce que j'ai assez d'or? Oui, j'ai encore assez d'or. On va refaire la même technique que tout à l'heure, ça a bien marché. À savoir le double snowball.
attend un petit peu. Et puis on est reparti. Par contre ils ont disparu parce que du coup ouais, ils servent à rien. Ils ont un temps limité maintenant. Ah tu crèves. C'est bien. Hop là. Ah ils m'ont encore eu. On va prendre un stand pool. On va améliorer un peu l'équipement. C'est la chose que j'ai presque pas fait de la game. Donc ce n'est pas bon ça. Ce n'était pas bon, j'avais une mauvaise armure. Allez, on s'améliore. Non, ils vont gagner. Je peux pas le permettre. Non. Ah. On va la perdre si ça continue la game. On l'a perdu. Ah GG à eux, GG à eux. Bon bah GG à l'équipe bleue qui a très bien géré. En fait on était toujours submergé, il fallait toujours qu'on aille récupérer les ponts auxiliaires comme la résistance ou encore la régène. On avait aucune chance contre eux. Voilà, bon écoutez, je vais ouvrir une petite mystery box et puis on va s'arrêter les amis. Enfin, les petites mystery box. Voilà la petite mystery box. Epic Stone Square Theme, ok, et la dernière. D'accord, pourquoi pas. Un Common Clownfish AT un objet pour animer de compagnie, ok. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez donc à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De voir la vidéo de tout à l'heure qui sera sur Dragon Quest Builders bien évidemment, ce sera la suite de notre let's play. Artie Animal sort demain, vous inquiétez pas par rapport à ça. La suite du LP de Minecraft 1.13 arrive normalement aussi demain. Et la suite de The Legend of Zelda de Wind Waker HD arrive très bientôt aussi. Normalement, j'ai pas de date à vous donner par contre par rapport à ça. Fallen Kingdom arrivera normalement la semaine prochaine, j'ai pas de date à vous donner non plus. Et puis voilà, entre clairement. C'est juste une petite vidéo détente comme ça. Peut-être que je vous en proposerai une pareille demain sur Paladin aussi. Ou peut-être cet après-midi, comme ça il y aura 3 vidéos, je ne sais pas. Mais j'arrive enfin à avoir un rythme où j'ai le temps de tourner au moins des vidéos pour la chaîne. C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. C'était Zoria. Allez, sur ce, portez-vous bien et les bye bye tout le monde.